Let's talk about serious things. Comme je suis en Belgique, pourquoi pas faire une vidéo en français? Alors, j'avais envie de partager avec vous ma routine du soir. Ça, c'est ma routine. Comment je me démaquille, avec quoi je me démaquille, mes produits et tout. Parce que vous savez, en tant qu'agent de bord, là, on est vraiment soumis. Notre peau est vraiment soumise à l'épreuve. J'ai déjà personnellement, je saute des mains. Fait que ça m'aide pas vraiment, mais j'aime tellement ma carrière que j'investis beaucoup. Oh oui, j'investis beaucoup dans mes produits parce que vraiment c'est ça qui m'aide tous les jours à avoir une peau quand même assez présentable, on va dire. J'ai envie de partager avec vous, ma peau est une peau sèche et très sensible. Donc, je ne peux pas utiliser n'importe quel produit. Ma peau est souvent irritée. Bref, tout ça pour dire que comment ça fait que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne? Je comprends pas. Vous attendez quoi? What are you waiting to subscribe? Please, subscribe to the family. Bon, alors on va commencer par se démaquiller, première chose. Je n'utilise plus de lingettes démaquillantes. J'ai passé maintenant à l'eau micellaire et au coton, cotton pads. C'est fou, des fois j'ai plus les noms en français, mais des fois j'ai plus les noms en anglais. En tout cas, l'eau micellaire que j'utilise, c'est Garnier, l'eau nettoyante micellaire pour peau sensible et sèche. Je vais utiliser ça avant d'utiliser mon démaquillant. Première chose, je vais me laver les mains. Ça, c'est vraiment, mais vraiment la première étape. C'est un produit de Drunk Elephant. Ça s'appelle gelée nettoyante fondante. Donc, this is to purify and to dissolve à la cantaloupe. J'allais dire pamplemousse, mais c'est cantaloupe. J'aime le bouchon parce que c'est un twist. Donc, comme ça, moi, t'es sûr que ça va pas dégouliner partout. On va pas frotter, c'est pas bon de frotter le visage. On va juste tapoter. Ensuite, si je sens que mon visage en a besoin, je vais faire un masque. J'adore les masques individuels de Sephora. Celui-là, c'est à la main à coco. Je le ferai pas aujourd'hui. Peut-être je le ferai demain matin. On verra tous les moments que je me sens. Par contre, ça, je vais l'appliquer. Ça, c'est Peter Thomas Rocks. C'est les timbres de gel au concombre. Ça vient avec la petite cuillère pour pouvoir soulever les timbres. Je l'utilise tellement souvent. J'en ai, comment dirais-je, hydratant ou relaxant. Mettez ça dans votre frigidaire. Ça va changer votre vie. Et voilà. Ensuite, en attendant que ça fait effet, vous gardez ça pour à peu près une dizaine, quinzaine de minutes. Je vais appliquer un toner, un tonifiant. Ça, c'est la bouteille de Mario Badescu, mais c'est pas ça qui est à l'intérieur. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? C'est de Body Shop. C'est un tonifiant à vitamine E. Ok, ça va faire vraiment, c'est fatigant. Et par la suite, je mets un mille. Et là, je vais juste reposer pendant 10-15 minutes avec ça et je vous reviens. L'huile que j'utilise, c'est Josie Maran Skin Dope Organic Glow Oil. Donc, c'est une huile, c'est 50% de Argan Oil et 50% Hemp Oil. Bon, je vais prendre le salé proté, l'excédent, pour être sûr qu'il soit bien en dessous de mes yeux. La dernière étape maintenant, l'hydratant, la crème sur mon visage. J'utilise beaucoup de contenants comme ça, qui n'ont pas de nom. C'est pour m'aider avec les limitations
de quantité de liquide, mais ça, c'est la crème Aveeno pour bébé pour l'eczéma. J'en mets quand même une bonne quantité. Parce que vous voyez là, je vous parle là, mais mon visage est tellement. Il est déjà sec, c'est fou. Je vais m'appliquer sur tout mon visage. Pour mes lèvres, j'utilise le soin des lèvres Caudalie. Sérieux, pour toutes les personnes qui ont les lèvres sèches là, il est vraiment bon. Terminé! Alors, c'était ma petite routine du soir quand je suis en voyage. Si jamais ça vous intéresse, j'ai laissé la liste des produits dans la barre de description. Si jamais vous avez d'autres recommandations, s'il vous plaît, laissez-les dans la barre de commentaires parce que moi, j'adore toujours regarder, voir qu'est-ce que les gens utilisent. Aimez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Oh mon Dieu, franchement, mais c'est quoi? You're not gonna be bored with me. Alors sur ce, je vous dis bonne nuit ou bonne journée, tout dépendamment de quelle partie du monde que vous regardez. Peace!